à toutes et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, comme vous le savez, pour les attentats qu'il y a eu en fait à Paris déjà, qui a quand même fait 129 morts et 300 blessés. Donc voilà, nous en fait, là je suis en compagnie de Killer Geek et de Willow du 06150. Donc voilà, on voulait. Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas grand chose, mais en fait, on voulait rendre hommage. Et je remercie Killer Geek et Willow pour les personnes qui sont décédées et toutes mes condoléances envers ces personnes. Donc voilà, je voulais rendre hommage en fait. On voulait rendre hommage en fait sur Minecraft en faisant voilà, ce petit logo. Donc c'est peut-être rien pour nous, c'est vrai que, mais voilà, c'est, nous on soutient la France. C'est vrai qu'on remercie les forces de l'ordre qui, voilà, qui sont là pour nous, qui nous protègent. C'est vrai que c'est vraiment cruel et barbare, comme ils disent à la télé, de faire ça. Donc voilà, si ça peut au moins soutenir les familles qui ont eu des proches ou des amis, des gens décédés dans leur famille. Donc voilà, on tenait à faire cette vidéo pour vous, pour ces personnes qui sont en deuil. Et donc voilà, surtout restez fort, parce que voilà, on sait que. Voilà, moi tout ce que j'ai à dire c'est restez fort et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez faire une minute de silence, quelque chose comme ça dans une prochaine vidéo. Donc je sais que ça remonte à quand même quelques jours, mais voilà, on voulait vraiment rendre hommage pour Paris et pour tous ces habitants qui ont vécu l'horreur et tout ça. Donc voilà, j'espère que par nous, j'espère que voilà, on va dire vaincu un jour et que ça s'arrêtera, parce que voilà, nous on veut être un monde en paix et pas dans la guerre. Donc voilà, et c'était une vidéo très courte, mais voilà, pour toutes ces personnes qui ont perdu des proches et tout ça. Donc voilà, je vous remercie et on se retrouve pas pour de nouvelles vidéos la prochaine fois. Et vraiment, toutes mes condoléances pour ces personnes qui ont laissé leur vie et tout ça, qui ont sauvé, pour les agents de sécurité du Bataclan qui ont réussi à sauver quand même des vies, pour les agents de sécurité surtout, et toutes ces personnes qui se dévouent et qui prennent leur courage à demain pour sauver des nombreux innocents. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à mettre un max de likes, un max de commentaires.